So get ready a bowl with lemon. Faites-vous un bol d'eau avec du citron. That is cardoon. C'est ce qu'on appelle les cardons. Et on va éplucher toutes les branches. We're gonna peel all the branches. Take off the little dark part. And take off these little leaves. We don't need it. On n'a pas besoin de ces petites feuilles. Donc avec l'aide d'un couteau, on les enlève. Ça aussi, we don't need that also. Now we want to take off all the string of the cardon. On va enlever tous les côtés filandreux du cardon, donc à l'aide d'un couteau ou avec un économe, with the peeler or with the knife, take off all the string of the cardon. It's very important step. C'est très important de tout enlever. Now we need to take off the inside part, this little white coat that we have on the inside. Il faut qu'on enlève aussi la petite pellicule blanche qu'on a de l'intérieur. Alors, si vous n'arrivez pas à l'enlever comme ça, vous faites une petite incision, a small cut, but not until the end, pas jusqu'à la fin. Et voilà, ça part tout seul. Voilà, so that's basically what we're gonna do with all the leaves of the cardon. On va faire ça avec toutes les branches des cardons. And by the way, don't forget to put glove because your hands gonna get very dark. N'oubliez pas de mettre des gants parce que ça noircit les mains. Donc vraiment mettez des gants, put some gloves. On a de meat, on va rajouter la viande.
you have marrow bone, put marrow bone. Me, my butcher didn't have marrow bone, so I took feet that I'm gonna let it cook a bit. And me personally, I'm not a fan of feet, but I'm gonna let it cook with feet and I'm gonna take it off. J'ai voulu des os à moelle, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris deux pieds. Je vais les laisser cuisiner un petit peu avec et après je vais les enlever. Mais quand même, on a besoin un petit peu d'os, des pieds. Si vous avez des os à moelle, mettez deux os à moelle. Voilà, on va couvrir ça d'eau. Cover with water. So this is broiling, and before we reduce the water, we're gonna make ourselves space. Avant de réduire le feu, tout ça est en train de bouillir. Avant de réduire le feu, on va faire un petit peu de place et on va rajouter notre pain de viande, notre coclo. We're gonna add the meatloaf. Voilà. And this gonna cook until meat tender. 3 eggs. On va rajouter 3 à 5 œufs. We're gonna add 3 to 5 eggs. So if you make it for Passover, because it's a dish that we usually we make a lot for Passover, you don't put the beans. And at this point, before serving, just before serving, you crush inside some thin matzah instead of the beans. Pour Pessah, au lieu de mettre des haricots blancs, juste avant de servir, vous mettez, vous écrasez de la fine matza dedans, et c'est un magnifique plat pour Pessah. On met pas, bien sûr, on met pas les haricots, et on met de la matza juste avant de servir. Voilà, messieurs, dames, here we have it. It's a delicious dish. I hope you're gonna give it a try. Please don't forget to subscribe to my channel and check out the recipe on my blog at frenchyladycuisine.com. Bye bye.